Guys, Rose Réalité, on se retrouve aujourd'hui non pas sur du GTA ou sur du CON, mais sur du FIFA. Je vais vous présenter ma toute première équipe FUT, parce que ça fait pas longtemps que j'ai eu FIFA 15, bon, je vais vous la présenter. Alors, en AG, j'ai Antoine Griezmann, très bon joueur qui me déplaît pas du tout. Acheté pour 1200 crédits seulement, 82 de général, 85 de vitesse, 83 de dribble, 77 de tir, 32 de défense, 76 de passe, 68 de physique et 4 étoiles de geste technique. Il a mis 11 buts dans mon club, franchement c'est un bon joueur. Franchement. Alors en BU, Alexandre Lacazette avec le style canoncier que j'ai acheté pour l'améliorer parce qu'en tir, il est, voilà, il est rabaissé à son niveau, on va dire. Bref. Le Lyonnais pour 87 de vitesse, 83 de dribble, 77 de tir, 39 de défense, 69 de passe et 72 de physique. Excellent buteur avec 79 de général. J'étais pour 1100 crédits seulement. Franchement, il me déplaît pas beaucoup. En plus, c'est mon meilleur buteur avec 16 buts marqués. Franchement. Je vous le conseille. En AD, Jérémy Ménez, avec 78 de général, avec le style artiste, 85 de vitesse, 83 de dribble, franchement, c'est un bon joueur, 69 de tir, 34 de défense, 70 de passe, 62 de physique, acheté pour 950 seulement, franchement, je vous le conseille. Il a mis peu de buts. Mais son seul but, c'est un flare shot, on va dire. Oh. Avec 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Il est. Je vous le conseille aussi. En MJ, Samir Nasri, qui joue à Manchester City, le français. 78 de vitesse, 86 de dribble, 76 de tir, 39 de défense, 84 de passe, 60 de physique. Avec 84 de général, franchement. Bah, il les vaut, mais on le voit pas beaucoup sur le terrain. Acheté pour 1200, j'aurais pu l'acheter moins. Il a mis 2 buts, il a joué 33 matchs. Je le vois pas assez sur le terrain, c'est le seul bémol qu'il a. 4 étoiles de geste technique. Franchement, je vous le conseille, mais vous allez pas vraiment le voir sur le terrain. Sinon, quand on le voit vraiment. Sinon, un M aussi. Rémi Cabella, 84 de vitesse, 84 de dribble, 76 de tir, oui, 65 de défense, 72 de passe, 57 de physique avec un rendement de rendement élevé en attaque, franchement. Alors qu'il est M aussi, il a plus de rendement que Ménez. Il est à 79 de général, 4 étoiles de geste technique. Je l'ai acheté 700, il mérite vraiment plus. J'ai fait un bon prix, je crois qu'il mérite dans les 1200, truc comme ça, je l'avais vu, 1400 à peu près. Il a marqué 12 buts, il a fait 4 passes décisives, 4 étoiles de geste technique encore. Franchement, je vous le conseille, en plus il est pas souvent blessé, on va dire, comparé à Nasri ou Griezmann. Nasri et Griezmann qui sont souvent blessés ou qui manquent de forme. Là, je vois, ouais, encore une fois, Griezmann, il manque de forme. Lacazette aussi, mais bon. Ben Arfa, ouais, ça va. Ben Arfa, Atem Ben Arfa, 5 étoiles de geste technique. 5 étoiles de geste technique. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'étais pour 700. Je voulais un joueur 5 étoiles dans mon équipe. Franchement, pour le spectacle, j'en avais besoin. 80 de vitesse, 85 de dribble, 77 de tir, 34 de défense, 76 de passe, 69 de physique, 78 de général. 5 étoiles encore, 5 étoiles. Il y a d'autres joueurs qui le méritent, mais lui, il l'a. Avec 7 buts marqués, 4 passes décisives, 34 parties jouées, franchement. Par contre, en défense, il est jamais là, on va dire.
Vous voyez, rendement, joueur à défense, faible, très faible, moi je dirais même. Donc. En DG, Patrice Evra, excellent joueur, il joue à la Juventus, ouais. 80 de général, 79 de vitesse, il n'est pas très rapide, on va dire. Enfin, personnellement, je ne trouve pas très rapide sur le terrain. 77 de dribble, 51 de tir, 79 de défense, 71 de passe, 78 de physique. Il a 3 étoiles de gestes techniques. Pour un défenseur, ça va. Voilà, rendement joueur élevé en attaque, alors que c'est un défenseur gauche. J'étais pour 1300. Ouais. Vous pouvez l'acheter, il vous fera le plus grand bien. Sinon, en DC gauche, j'ai Raphaël Varane. J'étais pour 800 crédits seulement. Avec 81 de général, 76 de vitesse, 62 de dribble, 45 de tir, 83 de défense, 60 de passe, 76 de physique. 41 parties jouées. 41 parties jouées. Franchement, je vous le conseille. Excellent joueur. En DC droit, Mangala. Je vous prononce pas son prénom parce que voilà. Il joue à Manchester City, 76 de vitesse, 63 de dribble, 42 de tir, 79 de défense, excusez-moi, 59 de passe, 85 de physique. Très bon joueur en défense. Il a aussi bon rendement attaque-défense. Franchement, il ne me déplaît pas. Je vous le conseille, acheter pour 750. Franchement, dans cette petite équipe, je fais beaucoup de bénéfices, on va dire, parce que les joueurs valaient plus et je les ai recherchés longtemps, on va dire. Et je les ai trouvés pas très très chers. En DD, défenseur droit, Bakary Sagna, Manchester City, français, 74 de vitesse, 75 de dribble. 55 de tir, 80 de défense, 71 de passe, 78 de physique. 80 de général, 650, acheté pour 650 crédits. Rendement attaque défense moyen moyen. Mais franchement, quand il est là, il est vraiment là. Il s'impose en défense. En gardien, j'ai acheté Ruffier. Stéphane Ruffier. Très bon gardien, 84 de général quand même. Pour moi, c'est le meilleur gardien français. Il y a peut-être Loris, mais je l'ai jamais testé. 83 de plongeon, 86 de réflexe, 82 de jeu de main, 55 de vitesse, 77 de dégagement et 84 de positionnement. Franchement, j'ai acheté pour 500, mais il mérite beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait d'excellentes affaires et je joue à Saint-Étienne. Franchement, je vous le conseille. Sinon, en remplaçant, j'ai Tremolinas en 77 de général, 84 de vitesse. Je crois que c'est le meilleur de mes défenseurs. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est le meilleur de mes. En vitesse, c'est le meilleur de mes défenseurs, mais je le mets pas parce que. Voilà quoi. Il a un pote, il a pas un très bon physique, même s'il a 73, il se fait beaucoup bouger par les attaquants adverses. 76 de tir, 76 de dribble, 63 de tir, 73 de défense, 78 de passe et 73 de physique, mais voilà. Rendement attaque élevé. Je comprends pas pourquoi je le mets. Enfin voilà, il déborde, mais voilà, acheté pour 400 en crédit, comme vous voyez. C'est un bon joueur, je vous le conseille, mais moi je le mets pas en. Attendez, il y a le téléphone qui sonne. Non, c'est bon. Je le mets pas voilà, en titulaire, pardon. Donc, bref, Ruffier, non, pourquoi j'ai fait ça? Il y avait le téléphone, excusez-moi. Pas très bien pour une vidéo. Voilà. En DC.
Je l'ai eu dans le premier détenteur, je l'ai eu dans le premier pack. Tout. Je le mets parce que c'est mon seul DC pour remplacer Varane ou Mangala. Ntinga, 76 de général. Voilà. Je vais pas vous le conseiller de l'acheter, mais c'est mieux que vous l'avez si vous n'avez pas d'autres défenseurs. Sachant que c'est la. En termes de crédit, voilà quoi, j'en ai pas beaucoup, c'est le début. J'ai tout utilisé tout à l'heure pour acheter des soins, des contrats et tout. J'ai même pas d'entraîneur. Théréau, mon ancien meilleur buteur. Franchement, Cyril Théréau, je l'ai eu dans le premier pack. Mais voilà, je l'ai toujours gardé comme Ntinga. Sauf que lui, il a marqué 10 buts. C'était. Voilà, 75 de général. Rien à redire. Sinon, grosse déception. Giroud. Grosse déception de ma part. Olivier Giroud. Il a joué 13 en BU. Il a joué 13 matchs. Il a marqué 4 buts. Il a 79 de général. Il a 2 étoiles de geste technique. 62 de vitesse, 69 de dribble, 78 de tir, 38 de défense, 69 de passe et 82 de physique. À part le physique, voilà. Il plante pas comme on dit, mais il me déçoit. Grosse déception, je l'ai acheté pour 650, ça va encore, mais voilà. J'aurais préféré m'acheter un autre joueur que m'acheter. Giroud, alors que voilà, une grosse déception sur sa tête. Nekounam, joueur que j'ai eu dans le pack, j'utilise. Ouais, mais pour remplacer un DMC entre Nasri et Ben Arfa, voilà. Bon, on n'en dit pas plus. Sinon, j'ai Matuidi, que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps. Il a joué que 6 matchs dans mon club. Rendement attaque-défense élevé. Il est gaucher. Avec 2 étoiles de geste technique, franchement, ça me déçoit. Il a 83 de général, 78 de vitesse, 76 de dribble, 67 de tir, 84 de défense, 76 de passe, 82 de physique. J'étais pour 1500. Voilà. Et je ne l'ai pas assez testé pour vous donner mon avis, mais voilà. Amalfitano, remplaçant de. Il remplace souvent Kabela. Et après, je mets Ben Arfa en MOC parce que Ben Arfa est ici 5 étoiles. Voilà. Amalfitano, 75 de général, 72 de vitesse, 76 de dribble, 68 de tir, 55 de défense, 78 de passe. 65 de physique, c'est un excellent. C'est pas un excellent, mais il fait l'affaire. Il fait le taf, on va dire. 550 crédits achetés seulement. 3 étoiles de geste technique. Voilà. Sinon, j'ai mes autres que j'ai eu dans les premiers packs. Et c'est tout pour mon équipe française. Donc, on va faire un petit match pour vous montrer comment. Ce qu'elle donne et ce que je donne, les manettes en main. Division 8, oui, je crois que ça fait bah, 3e division 8. J'arrive pas à monter au-dessus, ça commence à être dur. Non, j'ai une autre équipe. Je vous dis juste qu'elle est argentine. Elle est argentine. Je vous la présenterai peut-être dans un autre. Dans un autre registre, on va dire. Oui, il n'est pas très déterminé. FC Taub. Ok, Arsène Wenger. Ok, c'est une équipe BPL. Donc Rémi en pointe, c'est avec Sturridge, je crois. Rooney. Charles. Je vois pas c'est qui en MD parce que j'ai pas une très bonne qualité. D'accord. Ça va être chaud. Koscielny en défense. Ça va être chaud.
C'est parti. Par contre, j'ai un problème avec mes touches. Elles sont enfoncées. Du coup, ça va... J'appuie trop fort. Ok. Bonne sortie de Ruffier. Ça part. Erreur. Erreur. Je pensais qu'il allait pas tomber. Je me jette. Il se balade, Rémi. Il se balade. Petit lag. Bien joué. Profi. Et j'aurais dû tirer. Je voulais assurer le match, je veux dire. Pas possible de rater ça, Alexandre Lacazette. Lyonnais. Les Lyonnais, franchement. Même si c'est le meilleur buteur pour l'instant. Je me jette trop. Ok, bien joué. Bien joué ça. Bien joué Saménez. Il l'a déposé, comme disent les commentateurs. Mangala, c'est le meilleur buteur sur deux têtes. En corner, voilà. Quel joueur est fier. Non. Et il la récupère, c'est. Voilà, bien joué Mangala. Je joue pas trop skill, parce que voilà. Je me débrouille, mais j'ai pas un niveau très très. Je me débrouille, voilà. C'est sans plus, on va dire. Jouer. Putain. Voilà. Des deux côtés, on rate des bonnes occasions. Franchement, il aurait pu la mettre là. Bon, on va pas s'en plaindre. Il est hors jeu. J'aurais dû jouer de l'autre côté. On oublie souvent Griezmann sur la gauche. Si vous l'achetez, ne l'oubliez pas. Abuser les trucs comme ça. Cinq étoiles, récupère.
Non, récupère pas comme ça. Si il est blessé, je devrais faire rentrer Giroud et voilà. Vous allez voir le vrai niveau de Giroud. Sur FIFA 15, sur FUT, franchement, ils sont abusés. Ils sont moqués de lui. Non, ça revient. C'est pas pour lui que j'ai... Voilà. Je vais obtenir un corner. Griezmann pour le corner. Non mais... Non, oui. Ce but là, c'est franchement les buts dévastateurs. Ils détruisent tout. Je m'attaque pas. Ok. Oui. Excellent Cazette. Excellent. Excellent but. Yes. Voilà, Alexandre Lacazette comparé à Giroud, il plante. Hein. Minimum, je crois, en moyenne, j'avais calculé un but par match. Ouais. Des fois, il en met deux, mais... C'était prévisible, vous savez. Ça, sonne. Ça va siffler, pardon. On a combien de minutes de vidéo? Attendez, je regarde. On a 22 minutes quand même. Je sais pas ce que ça va donner en montage. On revoit l'excellente action de l'Alexandre Lacazette. 45e minute. C'est ce qu'il nous fallait. Faire quelques changements. M'énerve ça. Varane. Ça va. La casette, je vais le sortir tout à l'heure. Ouais, c'est bon. C'est reparti. Il est déterminé là pour la seconde mi-temps. Le stress, c'est un peu mon premier match en vidéo. 22 minutes, c'est beaucoup quand même. Voilà. Non, pour moi. Ouais. Je l'ai vu. Non! Pas trop forte. Tu stop là, s'il te plaît. On se lance pas tout de suite, on attend. On attend. Je... Non, mauvais espace. Contact.
peu de refier. Wow. Aucune solution, mais... Non. Excellent but. C'était la victoire qui nous manquait, les gars. Bon, c'est pas fini. On va essayer de faire notre possible. Mais non, c'est toi qui fais la faute en premier. On va commencer à s'énerver. Il part. Pas parti assez tôt. C'est lui que j'avais pas reconnu pour la présentation. Je me fais tuer. On va faire de même. Je me suis pris un petit pot par Churleu là. Touche la pas, elle sortait. Sur toutes les balles. Pas les louper les pas comme ça. Putain, mais c'est pas celle-là que je veux faire. Le jeu Seigneur Nasri. 9 minutes. C'est le temps additionnel, coco. Je parle pas beaucoup, je me concentre là. Ok, putain, mais je l'avais tué avec Griezmann. Je dis, il est tout le temps blessé, ouais. Balle de but.
Tice, deux tout seul. Je pense qu'on va faire qu'un match parce que ça va faire beaucoup après. J'y ai cru. J'ai eu peur. Oh. On peut dire que j'ai eu peur, franchement. On va jouer. Non, c'est pas lui. Tout le temps, il la récupère. Non, je pense pas qu'on va monter tout de suite. 1-1. 400 de crédit. On regarde où on en est et après je vous laisse là. Il reste 2 points. Bon, 2 points pour monter. Vous avez bilan. 3 victoires. 3 défaites. 1 match nul. C'est celui-là. Bon ben. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, tweeter, tout ce que vous voulez. Chers amis, même si franchement, ça fait plaisir de commencer la vidéo. Là, c'est... Ah, je me suis exposé la main. Bref, ça fait plaisir de commencer les vidéos avec vous. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce qu'il faut pas. Je vous présente cette vidéo dès que je peux. Moi, je vous dis bon game, salut et merci encore.